Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 24 avril 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, pour le prix de la Porte d'Auteuil, troisième course de la Réunion 1, où 14 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 15h15. Lors de ce joli tournoi européen s'adressant donc à des trotteurs d'âge, nous pensons détenir de très bonnes bases avant-coup. Sur le parcours des 2150 mètres de la piste de Soisy, il y aura bataille du départ à l'arrivée. Le départ, justement, sera donné à l'aide de l'autostart, et une fois encore, s'élancer en première ligne sera un atout non négligeable. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 5, Rebella Matters. Elle a de grosses qualités de vitesse et sera à son aise sur le tracé du jour. Si Christophe Martens lui donne le bon parcours, elle va faire mal. En deuxième choix, le numéro 7, Woolalota Love. C'est une très belle base de jeu tant il est en forme, apprécie la piste et paraît en mesure de mettre tout le monde à la raison une nouvelle fois. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Dona Viva à l'effort, elle partira avec la confiance d'un Dominique Locneux en grande forme et la sentant montée en condition physique le matin, ce qui augure logiquement une très grande performance aujourd'hui. En quatrième position viendra le numéro 6, Freja Dupont. Elle appréciera la piste plate du jour. Déférée des quatre pieds et avec Jean-Michel Bazir au sulky, elle est capable de faire tilt. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Martin Deboss. S'il s'était élancé en première ligne derrière la voiture, il aurait été bien plus haut dans notre classement. Avec Frank Nigvar aux commandes toutefois, tout demeure possible. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 1, Duxor de Guez. Il a un joli rush final lorsqu'il dispose d'un parcours caché sans encombre, lui permettant de préserver sa pointe. En avant-dernier choix, le numéro 12, Flash Dance. Elle a été très malchanceuse en dernier lieu du côté de Lyon-Lassois et semble en mesure de s'octroyer une place d'honneur ici. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Dacha. Elle dépend du très bon entraînement d'Emmanuel Ruot et n'a qu'à fournir sa meilleure valeur pour espérer disputer les places. En cas de non partant le numéro 4, BPEAM, qui se présentera cette fois en mode compétition, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, du côté de Paris-Longchamp, Top Prono, Turf Sélection et la Minute Quintée indiquent tiercé et plus dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée, et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.